ma peau, et de l'eau, ma peau, et de l'eau, dans le livre de Psaume 55. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15, lisons la parole de Dieu. Qui a prié ce matin? Qui a une vie de prière? Qui prie? Il n'y a pas beaucoup qui prient. Vous dormez, vous êtes des dormeurs. Si tu es venu au centre, tu ne pries pas, c'est que toi tu fais sorcier. Parce qu'on vous réveille ici, vous priez à 4 heures. C'est pas ça? Oui, ils dorment dans les hôtels. C'est ça? Ils n'ont pas le temps. Ils dorment dans les hôtels. Mais moins, quand vous réveillez, vous priez. Ah, vous aussi. Priez matin ou bien? Comment tu peux sortir matin où il y a tous les mangeurs dans la rue? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Même peut-être le gérant de l'hôtel, c'est un manger. Il était là, il dit, merci, ça ne peut pas passer à la casserole pour la manger. Amen. Il faut avoir une vie de prière. Qui lit la parole de Dieu au moins? Ne faites pas comme le monsieur qui dit, quelle page? Esaïe a fui. Esaïe est parti. Amen. Vous lisez la parole de Dieu au moins? Aimez Dieu. Amen. Amen. Si vous aimez Dieu, les choses de Dieu vont vous intéresser. Amen. Si vous n'aimez pas Dieu, ça ne va pas vous intéresser. Il y a des gens qui sont là, du coup, ils peuvent regarder la télévision. Ils peuvent regarder la télévision jusqu'à 2 heures. Ils n'ont pas le temps de prier. Ça veut dire que ce n'est pas les choses de Dieu qui sont en lui. Il est possédé. Or, quand quelqu'un aime Dieu, qu'il a l'esprit de Dieu, les choses du monde ne l'intéressent pas. C'est les choses de Dieu qui l'intéressent. Comment se connecter à Dieu? Or, Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Si tu es toujours devant Dieu, il va toujours te montrer quelqu'un. Il te montrera quelqu'un. Il va dire, va, à travers de cette personne-là, je vais te délivrer. Amen. C'est pour ça que vous devez vous éloigner de ceux qui vous éloignent de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas, vous éloigne de Dieu, éloignez-vous de lui. Et déjà, leurs camarades se balaient dans les bars, aller danser, aller. C'est quel camarade? Il t'a jamais conseillé d'aller prier. Que Dieu nous aide. Amen. Somme 55. Somme 55, à partir du verset 12. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Amen. La méchanceté au milieu d'elle, ça vous dit que tu veux ou pas, que ça soit dans ta famille, que ça soit parmi tes collègues, que ça soit dans ta maison, il y a la méchanceté. La méchanceté qui est caractérisée par l'esprit méchant. La méchanceté est là. Allons-y.
Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'attaque. Je le supporterai. Si un ennemi m'attaque, je peux supporter ça. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Bon, si c'est un adversaire, je peux comprendre. Je me cacherai devant lui. Hein? C'est toi. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi qui es mon ami. Toi qui es mon fils spirituel. Toi qui es ma soeur en Christ. Toi qui es ma soeur de sang. Toi qui es ma grand-mère. Toi qui es mon grand-père. Toi qui es mon père. Toi, mon ami. C'est toi. Toi, mon confident et mon ami. C'est toi, mon ami, à qui je partage tous les jours. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. On était ensemble. Oh, tu avais d'autres choses dans la tête. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Oui. Que la mort les supprime, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Je vais acclamer Jésus. Les faux amis. Un ami, c'est un intime. Celui à qui on partage tout. On ne peut pas le soupçonner. On ne peut rien penser de lui. Or, il faut le connaître pour qu'il soit un ami. David dit ici, je suis étonné. Je pensais, si c'est un ennemi, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est un adversaire, il n'y a pas de problème. Mais c'est toi que je découvre aujourd'hui, que c'est toi qui me combat. Je découvre que toi que je me suis confié, toi avec qui j'ai mangé, toi avec qui j'ai partagé, c'est toi qui te retourne contre moi aujourd'hui. Seigneur, qu'il périsse. Nous allons faire une prière kamikaze tout à l'heure. Qui a quelqu'un prier kamikaze? Qui a quelqu'un prier kamikaze? Voilà, tous ceux qui se sont ligués contre toi, tous ceux qui se sont ligués, qui sont dans le secret pour te nuire, ils vont tomber dans le nom de Jésus. Amen. A commencer par moi, tous ceux qui manigancent les choses contre moi tomberont dans le nom de Jésus. Réponds le verset 15, pasteur. Verset 15. Ensemble, nous vivions. Le verset 16 qui m'intéresse, s'il te plaît. Que la mort les supprime. Il dit que la mort, il n'a pas dit, j'ai prié pour eux. Amen. Ces gens n'ont pas besoin de vie. Il faut qu'ils disparaissent. Amen. Parce qu'ils jouaient ça. Ils ont joué ça. C'est-à-dire, toi, tu penses qu'on est parce qu'il est ami. Ils sont étonnés. Il est étonné que c'est lui à qui je me confiais. Il dit que la mort les supprime. Il y a une manière de prier pour ces gens-là. C'est ce que nous allons faire ce soir. Amen. Tu dis pas amen. Amen. On ne va pas les caresser dans le sang du poil pour dire non, c'est que si on a prié pour eux. On dit que la mort l'est. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Amen. C'est pas un évangile selon Crasson. C'est dans Sceaux. C'est dans 5, le verset 16. Allons-y. Qu'il descende vivant au séjour des morts. Amen. Amen. On dit qu'il est vivant là. On va abréger leur vie. Ça dit que c'est fini. C'est nous on décide maintenant. Comme ils nous ont trompés, c'est-à-dire qu'il y a eu la tromperie chez eux. Ils nous ont trompés. On pensait que j'étais frère. On pensait qu'ils étaient de notre côté. Mais oh, ils jouaient le rôle de diable chez Judas. Amen. Amen. C'est vrai que il faut que vous priez pour que Dieu vous montre les gens qui marchent avec vous. Ce qu'ils sont réellement. Amen. Amen. Moi, c'est ma prière. Si tu ne sais pas celui qui marche avec toi, c'est ton ennemi que tu vois là. Parce que l'ennemi ne veut pas de loin. Regardez tous ceux qui sont en train de s'insulter, même sur Facebook. C'est entre les amis qui s'insultent. Ils se connaissent mieux. Ils s'insultent entre eux. C'est eux qui créent les problèmes. Parce qu'ils connaissent. Ils te connaissent mieux. Donc, il est mieux placé pour t'insulter. Les coups d'État aujourd'hui, les présidents qui ont été renversés, la base, les heureux amis qui nous ont renversés. Donc, aujourd'hui, ne soyez pas surpris que ceux qui rentrent dans votre environnement, c'est eux. Il faut savoir, parce qu'il ne faut pas permettre à tout le monde de rentrer. Moi, j'ai eu raison que je ne sais pas tout le monde qui rentre chez moi. Non, pourquoi tu rentres chez moi? Je suis pasteur chez Jésus. Amen. On danse chez Jésus, la gosilla, chez moi. Il faut mériter ça.
Chacun a chez lui. Hein. Ça, après, j'ai compris. Quand vous partez au Maroc, les Arabes, là, tu as son frère qui ne va pas chez lui. Vous voulez causer, c'est dans le salon d'été. Vous partez quoi? Vous finissez. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Vous partez. Ne viens pas chez moi. Amen. Amen. Donc, moi, il a demandé, je suis curieux. Ils disent non, chez eux, à la maison, la femme, elle est sexy. Les femmes, ils ne portent pas les voiles, elles sont sexy. C'est le coin, l'endroit où le mari, quand il vient, il doit voir sa femme en sexy. Donc, si tu envoies ton frère là-bas, il va la draguer. C'est lui seul qui doit voir ça. Amen. Amen. Donc, vous n'êtes pas réveillé un cobra qui dort. Je ne l'envoie pas chez moi. Amen. Amen. Ils ont raison, le pays n'est pas développé. C'est développé. C'est nous, on causait tout le monde. C'est nous, on parlait ici. C'est nous, on fait ça. C'est nous, on passait, il y a cousin. C'est nous, on passait, il y a tante. C'est nous, on passait, il y a neveu. C'est nous, on passait que. C'est nous, on passait que. Puis on s'oublie. Et c'est cette même personne qui se lie contre nous. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est Judas qui a trahi Jésus. Moi, j'ai un ministère qui est spécial. Voilà, chacun a son notion. Moi, j'ai un message spécial. Je suis là, je dévoile, je fais tomber le masque. C'est que les gens ne disent pas là-bas. Là. C'est ce que moi, je vous dis. Amen. Parce que c'est écrit. C'est écrit, j'en ai dit là, c'est écrit. J'ai pris ça dans la Bible. J'ai pas mis ça ailleurs. J'ai pris ça dans la Bible. Il y a une manière de régler ça. Quand Judas a trahi Jésus, il est mort avant Jésus. Tenez-vous debout, nous allons prier. Vous allez prier toute forme de trahison dans votre environnement. Ceux qui sont en train de vous trahir. Moi, je mets mon ministère à prier. Je dis, accorde mon appel. Accorde l'appel. L'appel, mon alliance avec Dieu. Tous ceux qui sont en train de m'enidancer contre moi, ils sont en train de me trahir. Qui ne dépassent pas la vie. Levez la main et prions. Priez. On est de prier, prier, prier. Ceux qui sont en train de se liguer contre toi. Ceux qui sont en train de m'enidancer. Des choses autour de toi, que ce soit ta famille maternelle, paternelle, que ce soit tes collègues, ton environnement, que la puissance de Dieu commence et tous ces Judas, tous ces sorciers, qu'ils tombent sous le jugement de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, la puissance de Dieu se manifeste ce soir, la gloire de Dieu. Je manifeste ce soir la gloire de Dieu. Je manifeste ce soir la gloire de Dieu. Je manifeste ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vous montre un secret spirituel. Vous partez dormir souvent. Qui dort sur oreille? Moi, sans oreille, je ne dors pas. Oui. Non, moi, je ne peux pas. J'ai compris que quand j'étais bébé, mes parents me mettaient sur oreille. Moi, je ne peux pas dormir. Ou je prends un morceau de paille pour mettre ça pour dormir. S'il n'y a pas un morceau de paille, je prends un habit. Parce que j'ai prêché dans les villages. Souvent, tu n'as pas de paille, tu prends ton habit. Hé, hey, je fais. Tu prends, moussi, tu bouffes un peu. Tu t'amènes, ma tête doit être oreille. Sinon, je ne dors pas. Parce que le lit qu'on dit lit là-même, c'est paillasse. Ça peut tuer. Amen. Amen. Quand vous voulez prier, quand vous voulez dormir, parlez. Parlez. Vous priez. Là où vous reposez votre tête, vous parlez. Vous dites, Seigneur, je te prie, dans mon sommeil, révèle-moi les choses les plus cachées. Amen. Que le sommeil que je suis en train de faire. Pour pas y aller dormir seulement. Que ce soit des messages. Si vous demandez, il va le faire. Amen. Mais vous partez dormir, vous rompez son. Vous pouvez embêter les voisins. Renfroy, il y a tout le monde. Oui. Sans pouvoir résister pour nous, c'est grave. Quand tu es fatigué, bah, tu renvoies des conseils gaz.
Biololololololo. Il y a eu quelqu'un qui doit être Facebook. Il dit, toi, si tu es marié, ta femme va te divorcer. Parce que moi, je ne supporte pas. C'est pas là ou bien? C'est pas là. C'est comme si le mur de la maison devait remuer. Hein? Mon frère, rêve tout, rêve. Faut te réveiller dans le mur. Rêve pas dans le mur. Un gars va pas se marier. Vous aussi, les femmes, vous avez cœur. Non, les femmes, que Dieu bénisse. Amen. Dans sa vie, donc. Eh, mais comment? Que Dieu nous aide. Tu veux dire, moi, mes garçons, je suis choqué. Il dit, toi, vas marier. Femme, toi, vas voir. Que Dieu nous aide. Amen. Quand vous priez, demandez au Seigneur. C'est parce que vous n'entendez pas, vous ne prenez pas ça au sérieux. Et que vos rêves soient des messages. Amen. Que vos sommeils soient des messages. On ne va pas seulement pour dormir. Dieu parle dans les rêves. Amen. Dieu envoie des messages dans le son. Et peut-être que Dieu nous parle. Les choses ne doivent plus nous surprendre, bien-aimés. Si vous demandez, Dieu va vous donner. Parlez sur votre oreiller. Dis, je m'avais dormi. Parle-moi. Tu vas voir. Si tu continues de le faire, tu vas avoir plein de pas mal de messages. Il te donnera la victoire. Plus tu as le message, tu as déjà la révélation, des informations, et tu pourras mieux combattre l'ennemi. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?